toujours mes téléspectateurs. Voilà la poutre est là. Et la doctrine saine de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Très cher apôtre, le peuple de Dieu qui est devant vous sort de rescaper de la grande tempête qui a soufflé à tout le monde, sur toute la planète, à tous les continents. La vie de Calémie et le fidèle Union Apostolique n'ont pas été épargnés. Après que nous soyons traités de tout mot, persécutés, méprisé, invité devant plusieurs cours de tribunaux. Nous avons gardé la foi attachée à l'enseignement authentique du Christ, jusqu'à présent dans l'espoir de le revoir de vos ambassadeur du Christ, votre présence parmi nous nous redonne une forte nouvelle. Une nouvelle orientation spirituelle, nous ressentons une joie immense d'avoir les apôtres de Jésus parmi nous aujourd'hui. Le peuple de Dieu a tellement besoin de vous écouter. Chers apôtres, durant votre séjour ici au Tanganyika, nous souhaiterons rester assis sur ce pied
comme Marie de Bethany, la sœur de Marc. Elle ne voulait pas quitter Jésus, tandis que sa sœur, Marc, s'occupait de la cuisine. Ambassadeur de Jésus, nous vous souhaitons cordial bienvenue. Carré pour fouette, pour nous tous les joyeux. Sainte.